Bonjour, à votre service. Je voudrais une wamlette jambon fromage et une wam frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. C'est ce monsieur le directeur? Oui, c'est lui. Est-ce que je pourrais lui parler? Oui. Rick, il y a un client qui aimerait te parler. À votre service? Voilà, je voudrais un petit déjeuner. Nous ne servons plus le petit déjeuner. Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner, Eric. Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit déjeuner, mais... Pourquoi je vous appelle par vos prénoms? Moi, je vous connais même pas. Je dis encore monsieur à mon patron, ça fait 7 ans et demi que je travaille pour lui, mais voilà que j'entre ici, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, je vous donne du Rick et du Sheila comme si on était aux alcooliques anonymes. J'ai pas envie d'être votre pote. J'ai juste envie d'un petit déjeuner. Vous pouvez dire mademoiselle Folsen si vous préférez. Sheila, nous ne servons plus le petit déjeuner après 11h30. Rick, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre l'expression « le client est roi » ? Oui. Ben voilà. Le client, c'est moi. Vous l'avez devant vous. Notre règlement est strict. À l'heure du déjeuner, il faut commander la formule déjeuner. Je ne veux pas de déjeuner. Je veux un petit déjeuner. Oui, mais hé, vous m'envoyez désolé. Oui, mais hé, vous m'envoyez désolé aussi. Non, pas de panique, hop là, hop là, on se calme, tout le monde, asseyez-vous là-bas. Monsieur, où allez-vous? Non, finissez votre déjeuner, revenez à votre place. Allons, tout le monde, allons, on décompresse, on se détend. Eh bien, mangez, messieurs, dames, je vous en prie, déjeuner, il vous faut vos vitamines A, B... La détente est sensible. Ça va aller. Tout va bien. Ça part tout seul, ces trucs-là. Rick, je pourrais avoir mon petit déjeuner. Tout de suite. Sheila. Rick, mademoiselle Folsen. Monsieur? Oui. Réflexion faite. Vous avez raison. J'ai changé d'avis. Je vais plutôt prendre un déjeuner. Je voudrais un double whammy burger fromage. Vous notez? Je note. Et une portion de whammy frites. Et, voyons, un choco wham shake. Tout de suite. Sheila, servez monsieur. Rick, vous pourriez me servir, s'il vous plaît? Ça me vient plus facilement maintenant de vous appeler Rick après tout ce qu'on a vécu ensemble. Vous allez bien? Ça va, l'appétit? Et toi, fiston? Ça te plaît? Et vous, madame? C'est bon? On dirait qu'il y a des critiques. À mon avis, elle n'aime pas la whammy sauce. Je rigole. Ah, voilà. Merci. Voilà exactement ce que je veux dire. Tournez-vous, regardez. Vous voyez, c'est dodu, c'est juteux, 10 cm d'épaisseur. Et là... Vous avez vu cette chose molle, moche et ratatinée? Il n'y a personne qui pourrait me dire où se trouve l'erreur. Il n'y a personne? Quelqu'un pourrait me répondre?